Saint-Martin, dans conférence de presse. Je suis plus ça. Là. Et dis ça même vidéo, dis ça même vidéo. Dis ça même vidéo. C'est moi. Rejoindre la mobilisation nationale planifiée dans tout le pays. Premier bagage permet de saluer député Roger Millien, député Manès Louis, député Sinal Bertrand, député Jean-Aubert Rossé, député Printemps Bélisère, 5 députés secteur démocratique populaire. Qui, depuis environ 2 ans, a proposé dans la Chambre des députés une proposition de loi sur la question du salaire minimum. Député opposition secteur démocratique a proposé que le débat pour payer 1000 gouttes comme salaire minimum. La Chambre des députés a relié à la baisse, nous avons 750 gouttes. Hier soir, dans la réunion secteur démocratique et populaire, nous gagner des instructions claires, des décisions claires que nous prenons, à savoir, sénateur Cassibal parle de ça, les 4 sénateurs du secteur démocratique et populaire, leur projet s'est arrivé dans le Parlement, nous allons proposer pour les ouvriers 1000 gouttes. Dans les ouvriers, ils ont Hippolyte, ils ont 1000 gouttes, et c'est responsabilité ça, sénateur secteur démocratique et populaire, et ça, nous allons défendre dans le Parlement. Pour passer de 750 gouttes à 1000 gouttes, sénateur Cassim va parler de plus. Deuxième bagaille, le secteur démocratique, la jeune Truffel, a continué à accompagner le peuple, à accompagner les paysans. Je ne vais pas parler de ça. Dans Michel de la Talaye, dans Savandjan, côté monsieur André Appel Junior Bergasson, débarqué avec papier de terre, avec titre de propriété. Monsieur est le mandataire de joie. Il a réclamé pour passer 6600 carottes dans un Savandjan. Vous mettez pays en dehors. Le secteur démocratique et populaire en face, monsieur Appel, secteur démocratique et populaire, pas quitter sa face. Il nous dit très clairement, la loi en Haïti est précise. Sans équivoque. Depuis un moment, il y a 20 ans, sur mon terrain, à titre de maître, vous êtes propriétaire. Vous avez des paysans qui sont terres depuis 50 ans, depuis 70 ans, depuis 90 ans, depuis 11 siècles, tout paysan ça au propriétaire. Ça veut dire ça. Si vous avez fait acheter un, il faut le reconnaître le propriétaire. Deux, on y a pour acheter centième dans la ville. Et centième dans la zone ça, c'est 100 millions de dollars américains centième de avant. Nous ne pouvons pas payer avec PI, secteur démocratique, la campagne, comme des paysans, depuis des costumés pour parler de ça. Dernière décision, juge la Monsi Taxi me prend dans 4 dossiers Petro-Caribé. Connaît dossier Petro-Caribé, son procès nous commence le 29 janvier 2018, cabinet d'instruction, avec la plainte du citoyen Johnson Collet. Il y a un monde qui dépense ses blagues. Mais depuis le sénateur, il a fini de faire deuxième rapport, sénateur secteur démocratique, nous avons dit qu'il faut dossier ça devant la justice. Nous disons qu'il y a plus de 75 000 de plainte. Le commissaire du gouvernement a dit droit d'informer. Le commissaire du gouvernement est inspiré largement de toute plainte qui nous déposait le cabinet d'instruction. Le juge d'instruction a décidé pour bloquer l'argent. En plus, le monde qui est impliqué dans le dossier Petro-Caribé, en plus, la compagnie vient là-bas. Décision ça pour nous. C'est une espèce de petit pas dans la bonne direction pour répéter le diplomate Kissinger. Mais ça ne veut pas dire rien par rapport à ça qui est fait. Nous attendons des actes concrets de la part de la justice. Nous attendons d'arrêter les vrais voleurs. Les principaux voleurs, nous connaissons, la famille Matéli. C'est là que nous sommes en prison, nous sommes satisfaits du travail de la justice. C'est là que nous sommes de poser scellé sur le caille Matéli qui est volé en main, c'est un maclame construit avec le pomme Petro-Caribé. C'est là que nous sommes satisfaits. C'est là que nous sommes qui sont en prison, nous sommes arrêtés. C'est là que nous sommes interdiction de départ. C'est là que nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits. Le peuple a droit qu'on ait bataille pour faire Jovenel Moïse démissionner. Lui marié avec bataille pour ce Petro-Caribé a fait. Parce que justement, voler par contre jugé voler, depuis que le président pas bien pour ce Petro-Caribé. Maintenant, nous arrivons dans le même Pemba. Depuis 12 mars 2019, le secteur démocratique et populaire a été annoncé mobilisation à reprendre dans tout le pays pour 29 mars 2019. En ce sens, on fait une bonne rencontre, une bonne pèlerinage.
14 mars, c'était jeudi, nous rencontrer directoire Haïti en action. Côté ensemble, nous décidons pour nous travailler pour nous réussir la journée 29 mars 2019. Nous faisons par la sénateur la tortue. Il dit nous la péter dernière couche dans le département de la Tibé. Bravo. Vendredi, le 15 mars, nous rencontrons dans Arcaïe avec le secteur démocratique. Nous faisons réunion tout dans le Pourquoi des bouquets avec Bassou pour nous agiter pour nous devenir du Sénat. Vendredi, c'était pratiquement 22 mars, député Manès pour un cabaret rencontré pour Basio, mobilisé pour réussir le 29 mars. Samedi 23 mars, réunion avec Métropole, réunion prête dans la zone métropolitaine. Par contre, dans combien de réunions, Dr. Chitel nous doit participer pour mobiliser le monde pour le 29 mars réussir. Dimanche 24 mars, tourne le plateau central, au plateau, dans Hench, avec bloc résistant Charles-Marie Péral, que Chavan Jean-Baptiste a dirigé, nous planifier 29 mars. Dans l'après-midi, mis en balai, avec sénateur Dera, qui sont dans le département centre, nous travaillons en ville pour 29 mars, demain en ville, en réalité. Je dis à moi, messieurs, pour nous confirmer que dans tout le pays, demain, vendredi 29 mars 2019, là, à bien manifestation. Pour qu'il y ait déjà relé, il y a planifié. Jacques Bell déjà relé, il y a planifié. Si vous avez organe planifié, il y a un planifié. Pour Caponaïm, c'est un planifié. Et il y a un balai, un planifié, Port-au-Prince, c'est vraiment un bas, à bien manifestation. Nous avons toute disposition déjà. Depuis hier, nous avons eu une lettre par le directeur général de la France, là, pour nous dire. C'est très démocratique là, pour une dépopulation. Pas c'est très démocratique là, pour une chose. C'est très démocratique là, pour une monde là, pour une dépopulation, pour une mise en place. Après mobilisation dans tout le pays, nous demandons la police pour se placer, pour garder l'ordre, pour garantir la protection des populations. Espérer que la police affronte la responsabilité là. Et nous prenons toute disposition pour journée réussir. Et c'est très démocratique de continuer à assumer les responsabilités. Même si nous devons permettre de passer 429 personnes blessées sur le 17 octobre, le jeudi à France, à l'hôpital, avec trois moyens par nous, sur force moyenne, nous avons continué à prendre responsabilité. Même si nous avons enterré plus passé 24 personnes, disons 23 personnes, nous avons enterré 23 personnes qui mourent sur le 17 octobre, le jeudi à France, nous avons continué à prendre responsabilité. Nous avons continué à défendre le monde qui est en prison. Le secteur démocratique et populaire est à la pointe la plus avancée du combat démocratique. Les objectifs restent les mêmes. 1. Démission Jovenel Moïse, pressé, parce que nous ne pouvons pas négocier rien avec Jovenel Moïse. 2. La réalisation du procès Pétro-Caribé, parce que nous connaissons volet par juge volet avec Jovenel Moïse. Il n'y aura pas de procès Pétro-Caribé, parce que lui-même pour le participer dans le volet là. Et le monde qui était le président, c'est principalement qui volait pour Pétro-Caribé. Troisième et dernier objectif, et c'est ça qui est le plus important pour le secteur démocratique et populaire, c'est la conférence nationale. C'est là qu'on a crasé le système pour ça. Le système PC sous ça, qui a plus passé 200 000 jeunes de pays, depuis que je viens le président, arrivé jeudi à poil, passer misé dans le pays chéri. Le système ça, il faut nous craser. Système ça, il mettait des femmes dans la misère dans le pays, pour nous craser, système ça. Système ça, qui fait nous, tous journalistes là, malgré nous, nous avons un rayonnement, nous avons une notoriété, par un banque dans le pays qui a prêté 1 million de dollars. C'est même les qui fait vendre le prêt de tout le système ça, il faut nous craser. Système ça qui fait que les paysans ont abandonné le monde sans outils agricoles, pas qu'à ramasser le patron, pas qu'à l'école, pas qu'à l'hôpital, en tant que deux, trois garçons avec comme volet plus. Passer 4 milliards 200 millions de dollars américains, le système ça pour craser, le secteur démocratique l'a dit, on a crasé nos conférences nationales, parce que si nous ne pouvons pas craser, si nous ne pouvons pas briser le système ça, éclater dans le dialogue, dans la concertation, le peuple a crasé la violence, non pas de violence, on a crasé le système. Pour notre société, pour notre État, a intérêt pour le pays. Voilà le plus important, le secteur démocratique. Non, mais